Peggy 16. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà sur le multijoueur, donc pour une deuxième petite excursion là-dessus. Et c'est pas du tout la fin, ne vous inquiétez pas. Donc là, tout simplement, j'ai repris un petit peu près, le même personnage, hein, donc avec mes classes un petit peu personnalisées, ça me permettra de faire un petit peu plus de ravages que des classes par défaut, qui sont quand même intéressantes et qu'on débloquera aussi en avançant dans le jeu, parce qu'il y a des choses que je ne pourrais pas vous montrer tout de suite, par exemple certaines armes, faudrait que j'avance dans les grades pour pouvoir les débloquer, ce qui est tout à fait logique. Dans certains jeux, tu peux tout avoir d'un coup, mais dans d'autres, il faut vraiment passer le niveau pour pouvoir... comment vous expliquer ça, les débloquer. Sinon, le multi, je suis en match à mort par équipe, hein, donc comme vous l'avez bien constaté. Donc après, la prochaine partie, ce sera tout simplement la capture de drapeau. Vous allez voir, ça va être complètement différent, parce que là, ça va changer du tout au double. Donc malheureusement, je me suis pris un petit peu de fessée, parce qu'il m'a tout simplement un petit peu tiré avant, parce que sinon, je pense pas qu'il aurait pu gagner ce duel, parce que j'ai un truc, en fait, qui est très intéressant, c'est que j'ai un atout, qui s'appelle Bagarreur, qui va me permettre tout simplement de pouvoir mettre deux coups ou trois coups et que la personne va tomber. Après là, vous avez pu voir, c'est que j'ai un trésor ici que j'ai ramassé, un petit cadeau d'adieu. Donc maintenant j'ai réussi à le contourner et là cette fois-ci je l'ai eu. Ah oui, ma petite vengeance personnelle entre moi et lui. Il m'a tapé, maintenant c'est à mon tour de, lui rendre la monnaie de sa pièce. Donc je disais, c'est que dès que je décède en fait, j'ai activé en fait un atout qui me permet de récupérer un petit peu mon trésor en gros. Et ça me permettrait aussi d'avoir un petit peu plus de points pour pouvoir soit envoyer des compagnons, soit des atouts, soit des invocations. Pour l'instant, on est sur des compagnons et sur une grenade. Et plus tard, j'essaierai de mettre en plus des invocations qui risquent de vous faire plaisir et de vous surprendre. Il y en a, elles sont vraiment un petit peu abusées. Donc le pauvre, il n'aura aucune chance, il va se prendre encore une fessée. Non, 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 tu vas pas me le piquer. Il est à moi, laisse-le tranquille. Donc l'objectif aussi, c'est de faire plus de points, c'est aussi de ramasser davantage des trésors. Donc j'ai fait un double KO à cause de monsieur, parce que il a tout simplement profité de mes tirs pour pouvoir se procurer les deux kills. Ah ouais, non mais là il m'a traumatisé parce que j'avais tiré en même temps que lui. Lui en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il les a tués et moi j'ai abrégé leur souffrance au sol. C'est pour ça que j'ai pas eu les mêmes nombres de points. J'ai eu 2x50 et lui il a eu 2x100. Ah non mais ça fout des fois les boules. Hein. Comment vous expliquer ça, les tirs avec des coéquipiers, en même temps c'est vraiment le truc le plus chiant quoi. Donc là malheureusement mon tir n'a fait aucun effet parce qu'il était déjà dessus. Donc là c'est une carte complètement différente, comme vous avez pu voir on est dans une jungle etc etc. Donc il y a pas mal de, petites choses qu'on peut faire, se hisser sur des branches, en fait t'as l'impression que c'est la carte à Tarzan celle-là. Hein. Donc là, je voulais lui mettre en pleine tête, après j'ai fait non, laisse tomber, on va lui mettre un petit peu dans le corps, plutôt, c'est une connerie. Hein. Je voulais viser dans la tête, mais j'ai tiré à côté, hein. Voilà, on va pas se mentir. Allez, on va tout simplement essayer de faire attention. On va lui lancer une petite grenade. À votre avis, ça va passer ou pas? Je pense que oui. Voilà, donc c'est passé, ça fait plaisir. Donc le match à mort par équipe, c'est un peu galère parce que des fois il faut aller les chercher pendant un petit moment et tu sais pas où est-ce qu'ils vont spawn etc. Mais c'est bon, on va essayer de faire en sorte de faire un petit peu quand même plus de kills que dans la partie dans le premier épisode. Comme j'ai expliqué, on va essayer de varier un petit peu les modes etc etc. Allez vas-y tape-le. Donc là j'ai de la chance peut-être ou pas à votre avis. Donc là je lui ai mis quelques coups mais c'est pas pour autant que j'ai pas non plus souffert derrière. C'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que vous avez vu, la AK-47, parfois, elle fait des dégâts impressionnants, et d'autres fois, en fait, tu comprends pas vraiment pourquoi il faut plus de balles pour tuer un adversaire. Mais bon, maintenant, comme j'explique, je ne cherche plus trop à comprendre, et je vais expérimenter d'autres armes dès que je montrerai les grades en question, parce que je suis un petit peu curieux de savoir s'ils sont vraiment plus puissantes que ces armes-là du début, ou peut-être pas, ou peut-être c'est la même équivalence, on verra bien. Donc les roulades c'est bien sympatoche mais parfois t'as envie de t'esquiver et regarde qu'est-ce qui t'arrive. Voilà, et j'ai pas eu de chance. Parce qu'il a pas des fois il court pas si vite hein, le personnage. Hein. Et là je me dis oh non purée, j'ai envie de m'enfuir vite, je suis rouge. Heureusement qu'il y a des coéquipiers qui sont prêts à risquer leur vie pour te sauver parce que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Moi personnellement c'est pas forcément mon cas. Donc il y a des périodes où j'ai envie de sauver tout le monde, il y a des périodes où j'ai plus envie de sauver personne. Donc
Là, malheureusement, je ne l'ai pas touché. Je suis dégoûté. Il y a un colosse quelque part qui est caché. Regardez comment il se cache derrière les petits murs. Je me dis aïe, 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 aïe. Donc là, j'ai invoqué un petit peu... Je vais ramasser les trésors. J'ai mon colosse qui est opérationnel, je crois bien. Ah, le colosse, il se régale hein, quand même. Hein. Dommage qu'il ne fait pas un peu plus de points, parce que franchement, ça m'aurait bien aidé. Ah, le colosse, regardez, si tu le mets dans un endroit bien stratégique, il peut faire pas mal de dégâts. Il y a des personnes qui m'ont demandé, est-ce que le colosse peut t'améliorer? Oui, il peut t'améliorer aussi. Vous avez la possibilité de le faire courir un petit peu plus vite. Vous avez la possibilité aussi de le rendre un tout petit peu plus puissant. Mais tout ça, ça va consommer vos points. Parce que vous avez droit jusqu'à 19 petits crédits. Par exemple, une Kalachnikov, dès que vous allez la prendre, ça fait 3 de crédits. Dès que vous allez prendre un atout, ça fait 1, entre 1 et 3 de crédits, etc. Tout ça, je vous le montrerai un petit peu plus dans la personnalisation. Ça vous parlera un petit peu plus que comme ça, vous le dire, ça peut être pas forcément très bien compris. Parce que moi, personnellement, je préfère le voir. Donc, c'est ce que je vous présenterai un peu plus tard. Donc là, malheureusement, j'ai pas pu le soigner. Je suis un petit peu déçu. Donc voilà, l'invocation, j'essaierai d'invoquer ça un petit peu plus tard, ce genre de truc. Ah, le col, ils sont encore là, regarde. Là, je me dis au sport. Comment je vais faire pour tuer les deux en même temps? J'ai pas pu parce que j'en ai mis un à terre. Et encore, il l'a soigné, je crois bien. Je suis un petit peu déçu. Je me suis dit, oh non. Je vais invoquer encore un autre colosse. Comme ça, mon complice, il va plutôt m'aider. Donc là, on avance plutôt bien dans la partie, à ce que vous pouvez constater. 29 à 14, c'est plutôt pas mal. Donc l'objectif, c'est 40. Hein. Mais des fois, ça dépend sur qui tu tombes, sur quelle partie. Il y a des parties sur lesquelles ça va être plus facile à jouer, d'autres un petit peu moins, donc je vous le cache pas. Hein. Tout ça, ça reste une question de temps et des fois de plus de chance aussi. Hein. Pour moi, là, je trouve que ça... Ça passe encore ce genre de petite... Là on est au début du jeu, donc du coup on n'a pas encore des personnes qui ont des grades maximum. Et encore, je dis ça parce que je suis déjà tombé sur des personnes qui avaient un style de jeu un petit peu décevant parce que... Ils jouent en fait avec des armes les dernières. Bon, c'est pas là le problème. Mais en fait ils posaient constamment des mines et du coup tu les vois pas, t'avais aucun moyen de les détecter. Donc tu faisais que de mourir par des mines posées au sol en fait. Donc je dis pas que c'est pas sympa ou quoi que ce soit, parce que moi-même je joue avec des mines. Mais là franchement c'était abusé tout ce qu'ils avaient mis. Je crois que c'était complètement toute une équipe avec des mines et à chaque fois c'était ça le problème. Donc là j'ai pas eu de chance parce que le bagarreur n'a pas forcément fonctionné parce qu'il m'a tiré un petit peu avant que j'apparaisse. Alors je me suis dit oh non, au secours, au secours, au secours. Donc là on se rapproche presque de la fin et encore il commence à égaliser hein, comme vous pouvez voir. 30 à 22, hein. Attention, rien n'est joué encore, hein. Ils peuvent encore retourner la situation. Hein. Même s'ils ont 8 kills de retard, mais ils sont un petit peu plus agressifs, t'as l'impression. Et en plus, ils déploient le colosse maintenant. Donc, par contre, pour avoir le colosse, amusez-vous, parce qu'il est quand même dur à tuer. Donc là, en fait, c'est mon compagnon de soins qui va venir me ranimer. C'est plutôt sympa aussi, celui-là. Il est derrière vous en fait, et celui-là aussi vous pouvez l'améliorer par exemple pour qu'il vous ranime plus vite, pour qu'il court plus vite, pour qu'il vous suit, ou peut-être ce genre de petites améliorations qui sont pas du tout négligeables. Voilà, on va tout simplement essayer de contourner l'ennemi, hein, par là. J'appelle ça contourner moi, j'appelle ça juste me rapprocher un peu plus. On va ramasser un petit trésor. Donc parfois c'est chiant parce que tu sais pas où est-ce qu'ils sont les petits malins. Et des fois t'as peur aussi pour ta vie. ça me fait assez marrer. Donc n'hésitez pas à me dire le mode que vous préférez. Parce que pour l'instant je vous ai présenté deux matchs à mort par équipe. Mais le prochain ça va être la capture de drapeau. Et moi personnellement je trouve que les captures de drapeau ça va être complètement un petit peu mieux. Parce que t'as vu l'arme comment elle se lève des fois. Je comprends pas en fait cette Kalachnikov. C'est que parfois elle est bien. Tu tires sur la cible et parfois, vous avez vu, le viseur, le réticule, il monte un peu plus haut. Donc je disais oui, donc pour l'instant, je vous ai présenté deux matchs à mort par équipe. Et un tout petit peu plus tard, je vous présenterai des captures de drapeau. Je préfère les captures de drapeau. Il y a beaucoup plus de monde qui sont tout simplement sur les objectifs. Et là, tu te fais plaisir. Donc, je suis mort 4 fois. J'avais fait 4 assistances et j'ai ranimé 2 personnes. Et en même temps, j'ai fait 14 kills ou 16 kills. Je sais même pas c'est quoi en fait exactement entre les deux. Personnellement, voilà. Donc j'espère que cette partie-là vous a fait plaisir. En tout cas, d'autres épisodes vont arriver très prochainement et vous allez voir que ça va devenir très intéressant. Donc là, c'est maintenant que j'ai débloqué le bagarre. En plus, je vous dis des conneries. Oh là là, je suis désolé. C'est maintenant que j'ai le bagarreur qui a augmenté un petit peu plus. Donc on aura le sniper, on aura la vitesse de rechargement et vous allez voir que ça va pas être du tout négligeable dans les prochaines vidéos parce que ça va vraiment nous sauver la vie parfois.
Et voilà. Donc moi les amis, je vous dis à très bientôt pour la suite. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Également, si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne YouTube, vous êtes les bienvenus. Et si vous êtes un petit peu plus curieux et vous avez envie de savoir un petit peu plus de choses qui vont arriver sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Tous les liens seront dans la description. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. À bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Gros bisous.